SES, frère de UN, Lara Croiset. Tout d'abord, je voudrais remercier Claire pour ce beau sujet sur le général de Gaulle, même si vous êtes pas, on aurait pu trouver des trucs beaucoup plus marrants. Comme le maquillage de José et ses conférences sur ses conséquences sur la survie des baleines dans l'océan Pacifique. Ou alors pour coller au côté géopolitique de UN, Charrette Varenne, en plein dans la diagonale du vide, qui vit aujourd'hui. Après, je me suis également dit que j'étais avantagé parce que avant la guerre des Pleines, en fait, José, elle savait pas ce que c'était que Charles de Gaulle, elle pensait que c'était un aéroport, ça fait. Tellement facile. Enfin, bref, on sait très bien qu'on va pas respecter, mais on va essayer de s'attacher un petit peu au moins au début. Donc, on va essayer de définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'une radio star? José m'a annoncé, ça arrive. Une radio star, c'est un peu une fille comme toi, hyper active sur les réseaux sociaux, nommée numéro 2 sur le Financial Times, comme la plus grosse des putes à lac derrière Maxime Denoni. Pour le plaisir, on a cherché un petit peu sur le Twitter de José et on a trouvé des trucs sympas. Alors, on va commencer par étudiante de l'ESSEC, étudiante à l'ESSEC, présidente de RADEM, jusque-là ça va. Miss Charrette 2017, 15e place du concours Kangourou en 5e. Et le recouvrement de la deuxième étoile en 2008, tu ne disais pas dire que les clubs, mais toi. Alors on va se pencher un petit peu plus sur ce Miss Charrette 2017. Je me suis enseigné, la Charrette Varenne, ta ville d'origine, en 2017, il y avait 371 personnes qui vivaient. C'est pas ça, non? C'est ça. 371 personnes, ouais, sympa, on va dire, il y a 185 femmes. 185, 190. Si on considère que le concours il était réservé entre 12 et 25 ans, par élimination, bah t'as gagné. Sur Twitter, sur Facebook, t'es beaucoup à like, mais bon, ça, c'est pour ça, t'es très différent de Charles de Gaulle, qui est plutôt un homme d'État. Ensuite, comme toute radio star, t'es une diva. On sait quand tu veux vraiment être dans le quart du stick pour aller au wake, qu'est-ce que ça veut? Tu fais des manières. Mais bon, il n'y a pas quelque chose plus de wake que celui de la diva. Hein. Avec les mecs. Ça, j'ai jamais vu choper les secs. Je parle de ma copine, mais toi. On va rester sur Twitter, on a cherché un petit peu plus loin et là on trouve des phrases assez sympas. Je cite, c'est pas un choix, c'est un choix d'avoir, de ne pas avoir de copains. C'est bien trop commercial. En effet, quand on imagine ce que c'est dur à maquillage, Je peux entendre tout. Attention à ça, c'est pas cool d'avoir un copain, mais essaye quand même parce que sinon tu vas venir bien vie, on part pire avec Alexandre Chéron. Oh, Jella, il est cité dans tous les clashs. Ah le pauvre. Oui, clairement, Charles de Gaulle, c'est pas une radio star. C'est un homme d'État, un homme qui a su rassembler. Alors que toi, la radio star, un peu difficile de rassembler. On a un peu l'impression que tous les membres, quand ils arrivent dans ton assaut, tout ce qu'ils veulent, c'est la prise dans une autre. Elle est où la pancarte malaise? C'est original toi de la FM, on dit que c'est cool, pourquoi? Parce que c'est la seule abruti. La seule abruti, voilà, on essaie d'être un petit peu comme SES, on y arrive plus ou moins. Sauf qu'au moins, SES, ils arrivent à réserver un gîte, et ça c'est chiant ça. Franchement, même les événements de plaid, il y a mille fois plus de personnes qu'une personne, que de personnes qui écoutent une émission. Ensuite, il faut savoir qu'on est logé dans des conditions. C'est fou. À FM, par contre, vous vous demandez pourquoi la voix des rêveurs est un petit peu gracieuse. On a l'impression qu'ils ont peur quand ils font des émissions. Bah, je vais vous expliquer. Parce que quand tu fais une émission, il y a un tuyau d'évacuation des chiottes de toute l'administration de l'essai qui menace de craquer. Et par contre, on fait un petit bout.
Très fini, dans le fond José, tu sais que t'aimes bien, on est potes, et surtout je te respecte beaucoup parce que t'es quand même courageux. T'es courageuse parce que t'as pris la présidence de RFM juste après Nicolas Demer, tout en sachant qu'il allait t'envoyer un MP tous les 5 minutes. Merci. Bravo, bravo.